سلام يا اخو خويا صاحبي خي كي داير اليوم راني في بلاصه اللي هي سيبر بارك سيدي عبد الله. غادي ندخل لداخل نربط الماء. Donc notre objectif principal c'est d'offrir le meilleur retour sur investissement possible pour nos annonceurs. Parmi les annonceurs sur lesquels j'ai eu à travailler, voilà, donc je pense que vous connaissez tous ces marques. Il y a pas mal de logos que je n'ai pas pu mettre, mais globalement j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est audiovisuel, des émissions télé, voilà, des séries d'Amblan. Il y a une série par exemple où grâce à Google on est passé de 0 vues sur YouTube à 6 millions en un mois. Déjà, quelqu'un peut me dire ce que c'est Google Ads? C'est un message de visite, c'est un peu. Ouais. Mais pourquoi on fait de la publicité? Pour ramener des trafics. Et des clients. En sachant que sur Google, il y a des stratégies d'enchères, donc on va payer à l'enchère et non à un coût fixe. On doit optimiser nos enchères et notre budget pour avoir un meilleur retour sur investissement. Les enchères, ça s'organise comment? Un exemple? Oui, on va voir ça. Pardon, une petite question juste sur ce cas-là. Oui. Il y a une équipe ou c'est que... Ouais. Ah, je suis le fondateur quand on parle. Alors, pour Google Ads, moi ce qui m'intéresse c'est les deux premières années. Tout le monde connaît Facebook et Facebook Ads. Facebook a été lancé en 2004. Je ne sais pas si c'est pas de ce qu'on dit, mais la plateforme Facebook Ads a commencé en 2008-2009. En sachant que Google a lancé en 2000, c'est-à-dire que Facebook, LinkedIn, Twitter et toutes les plateformes se sont inspirées de Google pour créer leur plateforme publicitaire. Pardon. Au début, il suffisait en matière d'enchérir un mot-clé, événement digital par exemple. Vous voulez être positionné en premier quand quelqu'un tape à la recherche. Il suffisait que de payer, moi de connaître la personne de plus, pour être mieux grâce. Après, Oudaï Salam, les gens tapaient n'importe quoi et l'annonceur classe en premier. Donc, toi, tu cherches magasin de chaussures par exemple, tu tapes la requête, tu vas utiliser un autre annonceur, lui, il propose, on va dire, des vestes, voilà, en fait. Donc, Google a lancé la notion de pertinence de l'annonce. Donc, il y a un niveau de qualité à respecter, mais ce qu'on l'annonce là comme qu'on appelle le quality score. Bref. L'écosystème Google, on a Google au milieu, on a les annonceurs et les visiteurs. Donc, les deux parties sont importantes pour Google. Donc, je prends la notion de niveau de qualité. Si les visiteurs trouvent n'importe quoi et le moteur de recherche n'est pas performant, les visiteurs vont quitter la plateforme. Et si les annonceurs n'ont pas de retour sur investissement, donc un chatadaram pour faire de la pub et ça ne ramène pas de clients après, ben ils vont quitter Google AdWords. Donc Google essaie de satisfaire les deux parties. Avec Google, ce qu'on peut faire, donc on peut faire de la publicité sur YouTube, sur le réseau de recherche, donc le moteur de recherche, ce qu'on appelle le search, le GDN, donc c'est toutes les bannières publicitaires qu'on voit sur des sites, et il y a la partie shopping qui n'existe pas actuellement en Algérie, ou les applications mobiles. C'est à ça que ça ressemble. Donc, ça c'est le moteur de recherche. Ça c'est une requête, on va dire, en référencement naturel, c'est-à-dire tu regardes des liens naturels. Et ça, c'est de la publicité. Comment on peut reconnaître une publicité à la référencement naturel? Sponsorisé. Voilà. Donc globalement, en matière de concurrence, les fermes annoncent et que nous en concurrence mal les autres annonces, ou le référencement naturel,
Ah, je fais comment, par exemple, je ne vais pas les prix là pour le référencement. Référencement. C'est la pertinence. La pertinence, exactement. Et après, il y a plein d'optimisations sur le site qu'on doit faire pour être mieux classé que les autres. C'est pareil pour la publicité. Il y a l'enchère, on a et le niveau de qualité. Mais après, je vais te montrer que les hadoma, les annonces et les résultats naturels, ils ne se mettent pas en concurrence. Mais tous les gens en concurrence, c'est couleur d'affaires. Google Shopping, ça ressemble à ça. Actuellement, ce n'est pas disponible en Algérie parce que Google Shopping lui-même n'est pas. Ça, c'est Google Hotel, ça s'applique que pour les hôtels. Ils vont intégrer ça sur AdWords, sur Google Ads prochainement. AdWords, c'est une autre plateforme, mais ils vont l'intégrer sur Google. Et le GDN, ça ressemble à ça, c'est des bannières du réseau GDN. On les reconnaît avec le petit truc, hein, qu'il te faut annoncer. Et les formats YouTube, donc, vous avez le format stream, qui te connaît toujours une vidéo sur YouTube. Je crois que tu connais un peu, c'est le format stream. Et qui a une des recommandations, on va dire, c'est le format. C'est payant les deux. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est payant. Okay. Voilà. Après, on a deux modes de paiement. Soit on paye quand quelqu'un clique, par exemple, cette bannière. On peut payer au CPC, au coût par clic, quand quelqu'un clique sur la bannière, ou là, au coût par mille, au CPM. Qu'elle s'affiche 1000 fois. Voilà. Normalement, c'est ça. Sur le search, on paye que au clic. Concernant les enchères ou le coût à les enchères. Adomat, il y a deux modes d'enchères, on va dire, deux bases de facturation, pour être plus précis. Adomat, il y a une aux enchères. Après, il faut être au CPM ou là au CPC. Ça dépend de. Ton objectif marketing. Celui qui paye plus cher peut afficher. Qui paye plus cher et qui a le meilleur niveau de qualité. C'est-à-dire le meilleur niveau de qualité, la pertinence de l'annonce par rapport à l'utilisateur. Là, par rapport à la recherche de l'utilisateur. On va voir. Et on peut faire des campagnes de téléchargement d'applications. Winikono en multicanal. On va dire oui, il t'affiche sur les différents réseaux. On crée une seule campagne où elle va s'afficher sur YouTube, sur le moteur de recherche, sur l'export, etc. Voilà. Avant déjà de dire comment fixer les enchères, etc., il faut avoir déjà une stratégie par rapport. Avant d'ouvrir même la plateforme, déjà à la base, tu peux dire. Globalement, on a trois objectifs. Avoir du trafic vers son site web. Vous êtes un site d'actualité, par exemple. Vous ne vendez rien du tout. Mais vous voulez que les gens visitent votre site web. Donc, ça peut être un objectif. Ça peut être un objectif de vente. Donc, des levels de ton site web pour leur vente. Là, sur Google Shopping, par exemple. Oui, on a un objectif de notoriété. Et là, c'est que tu n'as pas envie forcément de vendre, tu as envie de faire connaître ton produit ou ton service. On a lancé un nouveau truc. On met une campagne de notoriété. Donc, à chaque campagne, un objectif. Et juste un seul. C'est quoi la différence entre le trafic, l'objectif de vouloir du trafic et celui du. Si c'est pas pour vendre. Ouais. Supposons que vous avez obtenu un trophée d'Akshat. Vous mettez on est devenu quelque chose. Champion du monde. Est-ce que champion du monde a un autre objectif que de la notoriété? Tu veux juste transmettre un message, c'est de la communication. On peut avoir ce type d'objectif.
pour le trafic, Ronald, vous êtes par exemple un site d'actualité. Vous voulez que les gens visitent votre site sans forcément acheter rien du tout. Par exemple, vous êtes TSA. TSA, leur business est basé sur le nombre de visiteurs. Ils vont vendre de la publicité à des annonceurs selon ce... Ça sert leur business model. Voilà, exactement. Donc, ils veulent beaucoup de trafic pour montrer qu'ils sont... ils ont beaucoup de visiteurs. Et ça, ça ne s'applique pas que sur ces deux business. Donc, même un seul business, on peut avoir des trois objectifs. Et pour chaque objectif, on a des KPI, donc des mesures de statistiques. On va voir comme ça. Par exemple, la notoriété, on cherche combien de fois notre publicité s'est affichée. Combien on a eu de clics ou combien on a eu de ventes, parce que ce n'est pas forcément notre objectif. Les ventes, une conversion, on appelle une conversion une vente par exemple. Du moins une action profitable pour l'entreprise. Ça peut être une vente, ça peut être téléchargement d'application, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui remplit un formulaire. Donc je vous dis, on a eu de conversion donc, en termes de nombre. Et je parle d'autres conversions, donc le pourcentage de ventes par rapport aux personnes qui ont accédé à notre site web. Voilà. Et le CPA moyen, donc la vente, les salades, je parle maintenant par exemple, je parle le coût de l'argent. Donc supposons qu'on a dépensé 100 euros et on a eu 10 ventes, notre CPA moyen, ça sera de 10 dollars. 100 sur. Le taux de conversion, c'est on va dire le nombre de personnes qui ont acheté sur votre site sur le nombre de visiteurs qui ont accédé à votre site. Donc, si vous avez 100 visiteurs et 2 ventes, vous avez 2% de taux de conversion. Ouais. Voilà. Pour ce qui est du CTR, c'est le taux de clic. Donc, à cliquer sur votre publicité, sur combien de personnes ou combien d'affichages il y a eu. Donc, ma pub s'est affichée 1000 fois, il y a eu 10 clics, donc 10 sur 1000 fois. Et le CPC moyen, c'est le coût par clic moyen. Bref, donc on parle de fixer son objectif. Je veux préciser Danny, que chaque objectif, on va dire un réseau plus ou moins efficace. Donc, pour faire de la notoriété, on ne va pas faire de la publicité sur les moteurs de recherche, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini notre objectif, on doit définir la cible. Donc, la cible, il faut être vraiment précis. Donc, c'est quoi c'est son centre d'intérêt, c'est quoi ce qu'il cherche à faire, est-ce qu'il est allé sur le web ou pas, etc. Le meilleur persona, vous allez trouver des templates, t'as comment définir une cible vraiment efficace. Moi, l'erreur que je vois souvent chez les marques, c'est que, par exemple, c'est quoi la cible relevée tout le monde. Entre 20 et 25 ans, là, entre 20 et 45 ans. Ça, c'est pas vraiment une cible. Il faut être niché. Si tu ne dis pas comment, c'est quoi leur centre d'intérêt, leurs occupations, etc., je ne peux pas les cibler efficacement. Après, la partie donc supposons qu'on a un produit qu'on vend 10 000 dinars. On a un produit vers 10 000 dinars. Et le coût de production PO est de 6 000 dinars. Chaque vous êtes prêt à payer une publicité pour le vendre. Ouais. 2000. Maximum 2000. Diviser le bénéfice. Dans les standards de l'industrie, de combien du prix le maximum vous êtes prêt à le payer. Maximum 3000, au pire. Maximum. Ben non. Maximum 4000. Mais 4000, accès là-bas. Maximum. On parle de maximum. Donc, on est prêt.
prêt à payer un maximum de 4000 dinars pour le vendre. C'est gratuit. Pour liquider et ne pas gagner. Donc, un coût par acquisition maximum. Un coût par acquisition, c'est ça. On est prêt à l'acquérir au maximum. Pour ne pas perdre, c'est-à-dire. Pour ne pas perdre, exactement. Donc, ça sera à 4000 dinars. Après, bon, on a constaté qu'un clip, généralement, on le paye 40 dinars. À des armes, c'est... En moyenne. Pas. Là, dans notre cas, notre exemple, je suis les 40 dinars en moyenne. Donc, on va avoir avec 4000 dinars, 100 clips. 4000 sur... Un clip, on l'a acheté à 40 dinars. Oui. On avait 4000 dinars de budget. Donc, maximum 100 clips. Ouais. Et on a un taux de conversion de 2%. Donc, je on va vendre de produits au final. Deux. Avec nos 4000 dinars. Sur 2 points. Voilà. Donc, l'objectif d'Anna, c'est de calculer ça et ça. Et le CPC max. Le CPC max, c'est l'enchère des clients. Comment fixer nos enchères? Les enchères, on ne les fixe pas au hasard ou là, au feeling. On doit faire un calcul par rapport au budget. Au budget, voilà. Bon, pour le ROI, vous savez ce que c'est le ROI? Le retour sur investissement. Donc, si on investit un dinar, il nous rapporte un dinar. Donc, ça se calcule sur chiffre d'affaires moins les dépenses. Sur les dépenses. Donc, chiffre d'affaires là, c'est 20 000 dinars. 10 000 dinars fois 2 produits. Moins les dépenses. Dépenses publicitaires, c'est 4 000 dinars. Les dépenses fermes, les dépenses publicitaires et les dépenses liées au produit. Donc, le produit, on l'a acheté à 6 000 dinars. Donc, on a deux produits, 12 000. Donc, ça nous fait 20 000 moins 16 000, 6 000 fois 2 plus 4 000, sur 16 000, et on a 25%. Ça veut dire que chaque fois qu'on investit un dinar, on récupère notre 1 dinar et on gagne 25% de bénéfices. Ça, en responsable marketing ou là, si vous avez votre propre business, ça, c'est l'élément le plus important. Globalement, c'est ça. Si quelqu'un vous lance une campagne et ne calcule pas son retour sur investissement, c'est Madame Naval, on ne peut pas savoir si on gagne ou là on perd. Voilà. Donc, moi, chef d'entreprise, utilisé un responsable marketing ou la digital, j'ai eu 10 000 clics, j'ai eu tant d'impressions, etc. etc. Limite, je m'en fous. Si tu ne me donnes pas ça, je vais le. C'est tout ce que je cherche. Voilà. Ça dépend de l'objectif. Ouais. On va fixer 80. C'est juste pour savoir si on est prêt à aller au maximum. Après, vous allez tester sur 4 semaines les enchères. La première semaine, vous faites ça à 20 dinars. Vous voyez ce que ça donne à 40, à 60. Et vous allez faire un tacop. C'est PC moi que l'optimal. Mais avant de faire ça, je t'approche le taux de conversion. Il faut avoir le suivi de conversion. Donc, ça sera un bout de code que vous devez intégrer sur votre site. Et le pixel. C'est, par exemple, sur Facebook, on appelle ça le pixel. Qui m'a du côté à Google Analytics ou le pixel Facebook, etc. Mais l'année, déjà, il faut définir l'objectif. Où je ne viens la conversion qu'à là. Est-ce que c'est une vente, est-ce que c'est un rempli, formulaire rempli, etc. Inscription. Sur quelle base se fait la conversion? Une fois qu'on définit ça, on récupère le code et on l'injecte sur la page. Allez, on va dire développement là avec un plugin.
Moi, je recommande d'utiliser Google Tag Manager. Je sais pas si vous connaissez. Mais pour gérer les tags, il n'y a pas mieux. Donc, au lieu d'avoir... C'est quoi un tag? Un tag, c'est... C'est ça, en fait. Parce que vous allez avoir beaucoup de scripts, analytiques, AdRoll, Facebook Ads, LinkedIn, etc., etc. Donc, vous mettez un tag manager, vous mettez un seul tag sur votre site, et après, vous pouvez rajouter les tags sur tag manager. Sans risquer de bousiller le code, le site ou la faire de mauvaise manière. Google Tag Manager. Donc, une fois qu'on connaît ça, là on fixe notre plan marketing avec les différents objectifs qu'on va faire durant l'année. Où je nomme les KPI, où je nomme les cibles, etc. avec les budgets. Voilà. Bon, pour créer votre créer un compte, c'est à cette adresse que ça se fait. Vous créez votre compte, ils vont vous dire de créer votre première campagne, mettez n'importe quoi. Une fois que vous lancez une campagne, vous pouvez l'arrêter. Vous n'êtes pas obligé de payer, de la garder. Donc, une fois que vous créez le compte, ils vont vous guider pour créer votre première campagne. Il y a des gens qui bloquent à ce niveau, tu vois. Il n'y a pas le temps de créer votre première campagne, et Hero, etc. et à deux rapports. Concernant le type de paiement, est-ce que carte Visa ou la Bill PayPal ou les deux carte c'est Visa. Possible c'est pas possible PayPal. Moi, j'ai pas vu sur PayPal. Ou carte Visa, Kouchirdam, c'est-à-dire que ce soit BDL ou la Société Générale ou la n'importe quelle carte. Je pense que moi, je compte devise, ça y est. Mais bon, évitez les cartes Netler et les compagnies. Pioneer et tout. Moi, je n'utilise pas ça. Pourquoi? Non, ça bloque, etc. Donc, et les plateformes publicitaires, si vous avez, ils essayent de... Parce que moi, je suis Finidel, ils vont faire un crédit. Moi, Finidel, comme crédit, à 50, 100, 500 euros. Tu m'as dit, il est le crédit. La plateforme publicitaire. C'est-à-dire ils font de la pub, عند عادة كي ça la pub عادة يخلصوا عليك. Exactement. ما يخلصوش عليك ابا. يخلصوا ابا. دير تاع بوب وما تدك يخلصوا عليك. Donc le souci مع les cartes bancaires algériennes, Nether, etc. C'est qui tu يخلصوا عليك, la banque refuse le paiement. Donc il a refusé, il a bloqué le compte ou ça. Mais la page première fois. Mais si à chaque fois c'est la même chose, premier paiement telle boulette, deuxième, etc. À un certain moment, bon, c'est un mauvais client. Hein. D'ailleurs, on lui ferme son. On peut faire des publicités gratuites ou on change de compte à chaque fois. Exactement. Bon, il fait Rolex très rapidement. Voilà. D'ailleurs, maintenant, vous avez votre seuil de paiement. Tu veux l'année, peut-être 500 dollars. Donc, tu peux faire de la pub jusqu'à 500 dollars. A dit c'est par mois ou la ou la par semaine. Par l'année qui tout seul 500 dollars, aucun tout seul en semaine et une semaine tout seul on n'arrive pas. Après évidemment au sort tu le seuil il n'arrive que chaque début du mois. Voilà. Ce que je veux dire l'année c'est que le seuil d'air. C'est le budget. Il est variable. Donc quand tu crées un nouveau compte il y a donc un seuil d'air à moins 50 dollars ou pas qui peut user de le au fur et à mesure. Qu'est-ce les relations. D'accord. Voilà. Après, pour éviter, on va dire, de mauvaises surprises, etc., vous pouvez faire un paiement anticipé. Donc, d'une certaine manière, les tout le seul. Donc, tu mets 1000 euros, là, 500 euros, là. Voilà, qui m'a l'année, moins 1100. L'année, ça ne veut pas dire que, oh, oui, ça l'est 1100. C'est l'inverse. Moi, j'ai mis 1100 dollars et je vais les utiliser. Oui, non, on précise le budget, c'est-à-dire le budget qu'il peut prendre. Ouais, exactement. Ah. Donc, tu cliques là sur effectuer un paiement, la carte est là, et tu dis, bon, à 10 euros, là, 100 euros, etc. Donc, tu peux faire ça ou là, tu peux traîner ou être au fur et à mesure.
Ça a dit, c'est dangereux, regardez les faits de buzzer. C'est évité que la banque bloque la transaction. Donc, là, on a dit, par exemple, des 500 euros. Si il bloque la transaction, tu as mis le annoncé sur la campagne, tu peux voir avec ta banque, etc. Pour débloquer ça. Bref, une fois, ça c'est par rapport à la facturation, par rapport aux utilisateurs, vous pouvez ajouter des utilisateurs avec différents types d'accès. Filmer sur Facebook, éditeur, modérateur, etc. Là, vous avez email uniquement, donc il ne reçoit que les emails, lecture seulement, donc pour qu'il ne puisse pas modifier. Par exemple, si le cas d'un client, je conseille de lui donner ce type d'accès, si c'est votre client. Comme ça, il ne peut pas toucher. Ça a été une fois, on avait un client, c'était une stratégie, on va dire, basée sur du machine learning. Donc, elle a besoin de temps pour apprendre. Il y a deux mois, qui peut être les performances, le client a de téléphone, un paramètre. Il a changé l'enchère. Si tu changes l'enchère, tu as changé qualité que l'apprentissage. Voilà. Standard, bon, il peut créer des campagnes, etc. Et admin peut ajouter des utilisateurs. Et... voilà. Par rapport à la structuration, donc vous avez votre compte à l'heure. Ça, on va dire que c'est un compte client. Par exemple, compte EX. Et là, vous avez des campagnes. Donc, ça peut être des campagnes liées à un produit ou service. Donc, NextPay, NextPay Plus, je ne sais pas. Des produits. Ou là, par rapport à des objectifs. NextPay, objectif notoriété, NextPay, objectif visite, etc. Voilà. Donc, on a chaque objectif, c'est une campagne ou là. Juste une campagne, on va dire, qui vend ce produit, elle a différents objectifs. Donc, si vous avez trois objectifs pour le même produit, vous devez créer trois campagnes différentes. Voilà. Après, au niveau de la campagne, là, nous avons défini le budget, je ne sais pas si chaque jour, le ciblage, est-ce qu'on va cibler Alger ou la Oran ou toute la planète. Et définir la date de début et de fin. Et après, on a ce qu'on appelle les groupes d'annonces. Les groupes d'annonces, on met par exemple nos mots-clés. Donc, on a certains mots-clés qui vont déclencher une annonce. Donc, on les regroupe avec les mots-clés dans un groupe d'annonces. Oui, une thématique. Et on crée plusieurs groupes d'annonces. Vous avez une question? Ça ressemble un peu à Google Ads, à Facebook Ads, où là oui, c'est différent. Côté ciblage et tout. Tu as, en termes de structure, des campagnes, les ad sets, les ensembles de publicités. On va détecter les publicités elles-mêmes. Voilà. En termes de ciblage, je dirais que c'est pas du tout la même chose. C'est différent. C'est différent, moi. C'est pas... différent en termes de ciblage, parce que Facebook, c'est, on va dire que c'est cette personne, soit. Alors que c'est plus précis. C'est plus, en général. On va dire, découpé. Mais en termes de ciblage, Google, tu as plus de ciblage type audience sur le marché, par exemple. Audience sur le marché, c'est les gens qui sont prêts à acheter un produit, qui cherchent à acheter une voiture. C'est un profil ou une voiture. C'est pas un profil de personne. C'est au lieu d'une personne. Si on va dire, c'est un profil qui a une part centre d'intérêt. Oui, tu dis les gens qui s'intéressent à l'art ou à l'économie. À Facebook, par contre, ça sera la personne précisément de ce groupe-là ou de cette tranche d'âge-là. On parle de comportement, c'est ça. L'analyse, on parle de comportement, exactement. Et non de centre d'intérêt. Qui a une ciblage par centre d'intérêt et par comportement. Sur AdWords, qui a une. Un ciblage que j'aime bien, comme ça s'appelle audience sur le marché. Donc, les gens qui sont prêts à acheter une maison, les gens qui souhaitent acheter une voiture, etc.
Sur Facebook, on ne peut pas avoir ce. Andy, une petite question de vous jeter de Fakata. Des fois, tu trouves un site de commerce, par exemple, tu ouvres par exemple une montre, tu as autre chose. Qui tu as un autre site, il te rejette des clients, tu as autre chose en publicité. Ou à remarketing. Tu as dit que c'était à Google. Ou la. Toutes les plateformes permettent de faire ça. C'est moi-même sur Google ou là sur Facebook. C'est propre au site à le commerce de Holi Audira ou là le site de e-commerce a installé des cookies un pixel sur le site. Il y a oublié de traiter avec le site ou... cibler via Facebook ou là via AdWords les gens qui ont visité son site web. On appelle ça du remarketing, du reciblage. Pour paramétrer une campagne, donc, vous allez sur votre plateforme, sur AdWords, vous trouvez. Bouton rouge, d'accord, créer. Cliquez dessus, vous allez avoir cette interface. Quel type de campagne vous souhaitez? Est-ce que c'est de la recherche, du display, YouTube, etc. Maintenant, on se voit sur l'exemple de la recherche. Là, il va nous dire quel réseau vous voulez choisir. Est-ce que j'affiche que sur le moteur de recherche ou là, je peux afficher des publicités sur le réseau display? Une des bonnes pratiques déjà, là même ça commence l'optimisation, c'est de décocher cette case. On a sur les plateformes ce qu'on appelle le niveau de qualité, Quality Score. Et l'un des éléments de la Quality Score, c'est le CTR attendu, donc le CTR. Les gens vont cliquer dessus. Sur le réseau de recherche, les CTR sont très élevés. Environ 10, 15, 20. 50% d'index. Sur le réseau display, c'est 0,2, etc. Voilà, c'est des petits chiffres. Donc, si vous créez une campagne réseau de recherche et display, les CTR, on va dire, ça sera une moyenne des deux. Donc, vous allez diviser votre CTR sur deux. Donc, au lieu d'avoir ça, si vous voulez afficher sur le display et sur le recherche en même temps, vous créez une campagne de recherche là, une campagne display. Après, vous pouvez cibler par pays qui reste sur Facebook par exemple, par zone, donc Alger, une ville en particulier. Ou là, cibler un rayon. Donc, créer un endroit. Et un rayon, ça veut dire 5 km. J'aime bien ça. Sur Google parce que c'est beaucoup plus précis sachant qu'ils ont Google Maps donc c'est pour la ruelle soit quoi sur Facebook ils les trouvent pas généralement. Donc finalement les adresses IP de ces localisations là non la géolocalisation avec Google Maps etc. Ah, c'est pour les téléphones. Non je veux dire là c'est plus facile pour eux de cartographier l'Algérie, parce qu'ils ont déjà Google Maps, donc Google Maps, on utilise aussi. Après, comment ils peuvent avoir sa localisation, c'est par rapport à tes coordonnées, on va dire, ta connexion, etc. Si tu te connectes full data, un une adresse IP. On ne peut pas faire de surface différente. Pardon ? On ne peut pas faire de superficie différente. C'est-à-dire Rayon. C'est sûr, vous pouvez mettre le rayon que vous voulez. On peut mettre deux rayons. Ouais. C'est possible. Ça, de préférence, c'est faire chacune ou à l'autre. Sur le national, on ne peut pas. Je n'ai pas essayé deux rayons, mais en théorie, sur Facebook par exemple, tu peux faire ça. Ouais. On peut voir ça. Mais en théorie, tu peux faire ça. C'est pas intéressant. Après, on a les paramètres de vente. Donc, moi, on cible Berlin, la zone. Mais c'est vrai, on peut cibler la zone directement. Tout Berlin. Et l'année, on va exclure. L'allemand, par exemple. Toutes les autres. Ouais. Comme ça, on va cibler les gens qui sont logués, qui parlent les autres langues,
sauf la langue. Donc c'est les deux. Aujourd'hui, il y a une pratique d'écrire l'arabe avec l'alphabet. Ouais. Ça existe, c'est. Pour les cibler, en fait. C'est-à-dire que c'est une contrainte, les gens vont faire des recherches sur. Non, il n'y a aucune contrainte. Généralement, les Algériens, ils donnent leur compte soit en français, soit en anglais, soit en arabe. Mm-hmm. Donc, je peux mettre les trois langues et. C'est là que je vais vous parler. Sur Facebook, il y a une option de ciblage intéressante. Ouais. C'est une personne de passage dans une région, résident. Un résident ou là de passage. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de similaire sur. Il n'y a pas ça. Mais Ronald, tu fais des trucs comme ça, manuellement, on va dire. Voilà. Donc, en fait, on doit définir le budget. Donc, le budget, on est prêt à dépenser chaque jour. Par exemple, la Nadana 100 dollars, on est prêt à dépenser 100 dollars chaque jour. Quand vous avez une campagne, on va dire, qui dure plusieurs mois ou là, une année, sur les moteurs de recherche, généralement, c'est des campagnes annuelles. Tu dois être présent sur Google toute l'année. Quand vous définissez le budget journalier, Matrismouche, un mois sur 30, mais sur 30,4. Parce que c'est la moyenne de tous les mois d'Alain. Ouais, 30,4. C'est moi un mois, quand un mois fait 30, je dois faire 31, etc. Pour avoir une moyenne. Pour les modes de diffusion, entre mode de diffusion standard et accéléré, l'année standard, ça veut dire que votre budget journalier, il va essayer de le répartir tout au long de la journée. Donc, la main comme 240 euros, il y a 10. L'année accélérée, la limite, s'il peut dépenser 240 euros en une demi-heure, il le fait. Il y a des cas où c'est intéressant. Est-ce que ça coûte. Ça coûte plus cher de le faire en accéléré ou c'est le même? Logiquement, ça coûte plus cher. En théorie, ça coûte plus cher. Parce que, Coulmat, quand on est là à la campagne, Coulmat, on a tendance à faire baisser les enchères et je veux dire, vous voulez afficher une certaine quantité par jour. Mais tu as 10 millions d'impressions par jour. Quand même, bizarre la concurrence. Donc, vous devez payer trop. Super cher avec le prix pour afficher que votre pub. Il faut se gagner dans ça. Mais si vous divisez ça sur toute l'année ou là 10 millions sur une année, regardez on cherche super, super faible et achetez 10 000 impressions par jour, 10 000 impressions au coût le plus faible. D'ailleurs, sur Facebook, on accéléré, voilà, ça va potentiellement. Consommer plus de. C'est moi les enchères en fait, c'est vraiment le plus cher. Sur AdWords, je te laisse. Voilà. Pour les stratégies d'enchères, donc. L'année, c'est comment on va payer, on va dire, notre publicité. Donc, enchères au CPC manuel, l'année, vous fixez votre prix maximum par rapport à un clip. Ouais. Un CPC max. Je suis prêt à payer maximum 1 euro par exemple pour le prix. Ça, c'est la stratégie, on va dire, la base. Tout commence par ça. Ouais. Du coup, le compte à calculer, c'est comme la base. Ouais. Elle ne va pas délivrer suffisamment. Sinon, par exemple, l'enchère, vous recommandez par exemple 1 euro, supposons. 1 euro par exemple, tu dois tirer 10 000 clics par jour. Si tu mets l'enchère 0,50, tu ne vas pas pouvoir acheter 10 000 clics par jour, tu vas pouvoir acheter 1 000, 2 000. Donc, quand tu mets l'enchère, tu as la capacité à acheter beaucoup de volume. Bref, toutes les stratégies à demain sont basées sur ça. Ça, c'est une stratégie manuelle et ça, c'est des stratégies automatiques basées sur du machine learning, etc. Donc, le CPA cible,
ça veut dire que vous allez cibler un coût par vente. Et maintenant, je vous fais le début. On va dire une vente à 4000 dinars. On peut définir un CPA cible à 20 euros maximum. Alors, on est prêt à mettre le maximum pour vendre notre produit. Ça s'appelle du CPA cible. La même chose pour le ROAS. Donc, on définit un pourcentage de retour sur investissement publicitaire. Par exemple, la note le 200% de ROAS. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'adapter. Quand tu dépenses 1 euro, il te rapporte 2 euros de chiffre d'affaires. Maximiser les clics. Là, il va ajuster vos clics à la hausse et à la baisse pour avoir un maximum de clics. Bien sûr, sur tout ça, vous pouvez définir une limite d'enchère. Très bien, je crois qu'on va être à 100%. Maximiser les conversions, c'est pareil. Emplacement cible sur la page de recherche. Là, c'est pour dire. Mon objectif, c'est de cibler, on va dire, la première position, ou là, les trois premières positions sur le moteur de recherche. Et là, il va ajuster vos enchères automatiquement pour être bien classé sur Google. Et d'autres surclassements cibles, ça, si vous avez un concurrent, par exemple, et vous voulez le surclasser, donc, je ne sais pas, on prend l'exemple de Jumia, par exemple, quelqu'un tape... une requête montre DHL. Et qu'on a récolté Jumia en premier. Moi, je suis un site e-commerce. Je peux mettre une stratégie en taux de surclassement cible et cibler le domaine Jumia.dz. Et donc là, je dis à Google, voilà, si je suis en concurrence avec Jumia, par exemple, essaye de, je te donne l'autorisation de modifier mes enchères pour être mieux classé que. L'année, bien sûr, sur tout ça, vous mettez une limite d'enchère. On le fait les choses automatiquement, mais le clic ne rachète pas plus de 2, 3, 5 euros. Ça dépend de votre CPC max. Parce que l'année, c'est dangereux quand vous faites ça, surclassement cible, ou votre concurrent fait du surclassement cible, d'un écart à votre domaine, vous allez enchérir un clic qui sera comme un million de dollars. Donc, on définit notre stratégie d'enchère. Là, je vous invite à revoir tout ça en détail après. Mais ça, c'est l'une des parties les plus importantes sur AdWords. Donc, si vous vous trompez sur ça, après, il n'y a plus à optimiser sur votre classe. C'est trop tard. On définit une date de début, une date de fin. Et là, on peut cibler. Où je prends là, par centre d'intérêt, par audience sur le marché, donc ce que prévoit d'acheter, et par interaction avec entre votre entreprise, par exemple, donc les gens qui ont visité votre site, ou là une liste de qui ont visité, acheté un produit sur votre site, ou là vous pouvez avoir des données, votre CRM, et les uploader directement pour détecter avec les gens. Et créer des audiences similaires. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, on vend, on va dire, des formations en marketing, je suppose. Si on vend une formation en marketing, les gens qui vont faire avec la formation vont la faire une fois. Donc, on peut ajouter à le ciblage, on crée une audience à les gens qui ont déjà acheté notre formation. On va créer une audience similaire par rapport à ces gens-là pour avoir une audience à des gens qui seraient potentiellement intéressés par acheter notre produit et exclure les gens qui ont déjà acheté. Comme ça, on n'affiche plus la pub à les gens qui ont déjà acheté. Hadi Kaina fait Facebook suivant le profil, sauf Google suivant quoi? Suivant quels critères L'adresse email ou qui fait qu'il y a à interagir avec ton site web. Ça, comment trouver une personne similaire suivant email? Trouver des personnes similaires suivant l'email ou suivant quel critère? Tu peux faire ça. Soit ils ont visité ton profil. Donc, ils ont visité ton site. Donc, ils
se base sur des cookies, etc. pour trouver avec la personne et créer des audiences. Voilà, ça, c'est les visiteurs. Ça look like. Il a importé des données et là, tu vas acheter des emails. Oui, il va essayer de matcher les emails donc avec sa base de données. C'est le même principe que. Même principe. Hein. Après, on peut ajouter des extensions d'annonces et d'accroche. Sur Google, sur le moteur de recherche, par exemple, vous avez 30 caractères de titre. Donc, vous avez deux titres, vous pouvez en 30 caractères. Et une description vers 90. Je vous le dis, c'est assez court pour écrire un message. Après, on veut ajouter un bouton pour qu'il nous appelle, on veut ajouter plein de choses, mais on est limité. Donc, ils ont rajouté des extensions d'annonce. Maintenant, on peut rajouter un bouton appel nous, par exemple, là, un lien Google Maps, etc. Pour enrichir, on va dire, notre annonce. Sinon, c'est primordial. Des liens annexes pour rediriger vers certaines catégories et des extensions d'accroche qu'on a pour dire, là, par exemple, livraison gratuite, etc. Des accroches, ma carrière. Pardon ? Par exemple, devant les chiffres pour les tours. Exactement. Ouais. C'est le calendrier. Ouais. On peut. C'est le calendrier, on peut diffuser. Ça, c'est assez. Voilà. Ah, choisir les jours de diffusion. Les jours de diffusion et les horaires. Par exemple, la NAM. 14h minuit. 14h, demain. Et les annonces dynamiques, Google recommande d'avoir un groupe d'annonces. Notre campagne, l'icône en annonce dynamique, là, c'est pour tous vos mots-clés, les sites que je t'ajoute, etc. Vous activez l'option, Google va automatiquement visiter, on va dire, votre site, répertorier votre site, mapper sur votre site, et créer des annonces dynamiques. Automatique. Automatique. Par exemple, le temps d'un certain mot-clé, où il va trouver mot-clé, qu'il relie à une page pertinente et créer l'annonce automatique. Le cas d'un e-commerce, par exemple, c'est très intéressant. Voilà. Ça, c'était au niveau du paramétrage de l'annonce. Là, on a des groupes d'annonces. Donc, il y a le paramétrage de la campagne. Là, on va créer notre premier groupe d'annonces. On se met notre groupe d'annonces. C'est logique. Et on lui donne les mots-clés d'ailleurs. Maintenant, j'ai choisi formation marketing digital, formation publicité Facebook, etc. Tu m'as dit les mots-clés qui vont déclencher mes annonces. Sur ces mots-clés, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a différents types de correspondance. On a ajouté. Une question là. Formation marketing digital. Est-ce que quand on dit que formation marketing, est-ce que tu trouves l'attaque? C'est. Ça, c'est en requête large. Ou là, tu as marketing digital, tu trouves la formation TAC? Ou là, comme majuscule, minuscule. Il y a différents types de correspondance. Donc, là, tu mets les guillemets ou là, tu mets pas, c'est pas la même chose. Donc, quand j'écris formation digitale, là, ils font rien du tout. Si quelqu'un tape formation digitale, on en sort. Si il tape formation digitale, là, c'est creuse. Il écrit formation marketing, je ne sais même pas digital. Parce qu'il va juger que c'est un synonyme, par exemple, de ça. D'accord. Il écrit pour marque digitale, parce que pour, c'est un synonyme de formation. La requête large, on va dire mener à pour découvrir de nouvelles idées de mots-clés. Mais globalement, à éviter la plupart du temps, parce que, supposons que vous avez, moi j'ai vécu ça d'ailleurs, vous avez un site d'appel d'offres. Site d'appel d'offres, quand ajouter l'appel d'offres, on regarde là.
quelqu'un il t'a offre dans votre zone d'intérêt. Offre. Ouais. À éviter. Donc, il faut être plus précis. Vos recommandations pour les voter, qu'est-ce que vous recommandez? Quel est le nombre de voter, disons, maximum? Il n'y a pas un nombre maximum à respecter. C'est, on va dire, que les mots soient pertinents pour ton activité. Il faut qu'ils soient précis. Précis et rentables pour ton activité. Par exemple, supposons que tu es concessionnaire de voitures. Sauveur, par exemple. Tu vends des golfs, ouais. Peut-être même, je vais ajouter golf, golf 7, wetness. Peut-être même ajouter le mot-clé wetness. Parce qu'il y a beaucoup de recherches par rapport à ça. Mais ça, c'est pas pertinent pour ton entreprise. Parce que les gens qui vont taper ce mot-clé vont rechercher des voitures d'occasion. Les de wetness, si j'ai l'air à l'occasion, si j'ai l'air à l'occasion. Donc, même si ton annonce est cliquée, ça ne va rien convertir. La personne ne va pas acheter ta voiture. Excusez-moi, mon novice, je ne m'y connais pas. Mais dites-moi, Google Trends, ouais. De vérifier par exemple ces mots-clés sur Google Trends, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça aide, c'est efficace ou ça ne sert absolument à rien? Quel outil de planification des mots-clés plus précis, on va dire, pour avoir du volume dans les recherches? Google Trends, il ne te met pas chez on a eu de recherche, mais un indice. Voilà. Sur Google Ads, il y a l'outil de planification des mots-clés qui donne les statistiques. Donc, ils peuvent le consulter en préalable avant de choisir la correspondance. Ouais. Correspondance, ou l'expression exacte, c'est que la limite perd un certain nombre. Donc, si l'utilisateur n'a pas un mot-clé, si l'utilisateur tape formation digitale, je vais sortir. S'il tape ça, un ordre, je dois faire donc digital formation, ça ne va pas sortir comme. Ça ne va pas déclencher l'annonce. Par contre, quel est de formation digitale Alger, où est-ce que je peux faire une formation digitale, etc. Tout ce qui vient avant ou après, ça déclenche l'annonce. Et vous avez des mots-clés exacts, l'ANA. S'il tape quelque chose à l'extérieur, l'annonce ne sort pas. Après, ça peut être l'NAI. Il faudrait une digital formation. Il faudrait calculer les mots-clés. Si ça reste, ça a toujours le même sens. On appelle ça des variantes proches. Donc, une fois qu'on a ça, on crée notre annonce. Donc, l'URL. Le titre 2 et la description. Voilà, ça ressemble à ça. Globalement, c'est ça. La même chose pour le réseau display. Display, type de campagne, ciblage, rotation des annonces. Globalement, c'est les mêmes étapes à certains trucs près. Par exemple, sur le search, il n'y a pas ce panneau ciblé que les ordinateurs. Et on peut le faire. Mais globalement, c'est la même logique. C'est quoi la différence entre display et normal display? C'est plus mobile ou là? Display et, oui. Et search. Et search. Le premier et le deuxième type de ads. Entre display et search. C'est un deuxième type de campagne. De campagne. Ouais. Ouais. On peut lancer sur plusieurs types de campagnes. Campagne YouTube, vidéo sur YouTube, téléchargement d'applications, display ou la search. Display, qu'est-ce que ça veut dire? Les bannières publicitaires sur des sites. D'accord. Les bannières que tu vois sur WebKit, okay. Sur TSA, etc. Vous avez dit que c'était pas efficace. Non. Vous avez dit ne me faites pas dire ça. Vous avez dit 0,2. Le taux de clic, comme il est faible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas l'objectif d'avoir des taux de clic.
Le display, c'est plus pour la notoriété. C'est d'afficher une bannière publicitaire pour se faire connaître, pour véhiculer un message. Voilà. Et ce n'est pas la même approche. Quelqu'un qui est sur les moteurs de recherche, il tape, je ne sais pas, iPhone 8 ou là. Quand il voit une annonce iPhone 8, il a tendance à cliquer parce que « Hadef, je connais Hawaz ». Mais sur le display, même si tu lui affiches un iPhone 8, il n'y a pas de forcément, il n'y a pas de forcément, il n'y a pas de blog, etc. Donc, il n'est pas en recherche active sur le display. En général, le display, c'est beaucoup plus pour les grandes entreprises. Pas forcément, c'est plus... Pour le contenu qu'on veut. C'est plus pour... L'objectif, atteindre l'objectif d'un employé. Exactement. Après, tu peux générer du trafic avec, etc. Mais... Pour voir les patrons. Là, par exemple, c'est des campagnes qui ont déjà été créées par... Voilà. Donc l'année, vous avez des campagnes que vous avez créées. Quelles des campagnes sont mises en veille, quelles des campagnes... Terminées, en cours. Voilà, diffusées, quelles des campagnes là. Donc l'année, vous avez... Là, c'est le budget. Et vous avez vos statistiques, donc. J'ai une impression, j'ai un clic, j'ai une conversion, etc. Donc selon la stratégie interne, vous voyez que là, par exemple, c'est de la vidéo, là, il a choisi du display, là, c'est du search, etc. D'ailleurs, on a formation Digital 10, vous avez, pour la même campagne, j'ai lancé trois... pour le même service ou leur produit, on a lancé trois campagnes différentes. Et chaque campagne a un objectif. Là, c'est sur YouTube. On a des annonces sur le display et des annonces sur le search. Donc là, on va faire un essai pour une nouvelle campagne. Là, on va dire qu'il va pré-configurer les choses. Donc, prenez aussi quoi ton objectif, vente ou la prospect ou la trafic. Et on va dire qu'il va pré-configurer la campagne. Tu peux mettre directement sans objectif et non, on sait où. Voilà. Une fois qu'on choisit ça, le type de campagne. Est-ce que c'est sur le réseau recherche, sur le réseau display, shopping ou là, c'est des campagnes YouTube. C'est pas aussi long. Connexion. Et connexion. Oui, Andy, une question. Pour le lancement, par exemple, d'une start-up, là, d'un projet, d'une entreprise ou là, quels sont les ads recommandés? Les ads. Ouais, c'est-à-dire le type de publicité recommandé. Et c'est sûr qu'il y a le budget qui est très. Ça pour un début, je vais te dire. La machine est là pour lancer son autorité, pour être visible sur un maximum de gens. Tu es plus à essayer tous les réseaux. Je pense que ça a une synergie d'être sur tous les réseaux. Après, quand tu as une stratégie bien pensée.
entre Facebook et Google, quelle est la meilleure? Ou est-ce que faire faire les deux? Ça dépend des produits et services. Alors, je crois que tu te lances, tu essayes plusieurs plateformes. Il faut essayer. Déjà pour savoir quelle est la plateforme qui marche le mieux. Là, par exemple, sur notre business, une partie de notre business, c'est le moteur de recherche qui marche, Google. L'autre partie, c'est Facebook qui marche. Donc, déjà, tu fais un test par rapport à ça. Ou le budget à peu près pour tester, Chal, à peu près? Tu commences avec 5 euros si tu veux. C'est juste pour tester, on va dire, qu'est-ce que ça donne. Après, si tu vends un produit qui est machine à 10 000 dinars, wow. Tu testes avec ta marge. Que ça, pour voir est-ce que déjà tu récupères tes 4 000 dinars, par exemple, t'as un exemple pour Ben, ou pas. Voilà. D'accord, merci. Mais quand tu testes, teste avec des petits budgets. Il ne faut pas tester avec 500 euros. La manège. D'autres questions? À quelle heure on finit, Marie? Où est-ce qu'on voit les stats de la comparaison? Les stats? Une fois qu'on a. Sur l'interface DAC, tu vas au niveau de ta campagne. Trouve tes stats. Après, tu vas trouver colonnes et là, modifier les colonnes pour voir les stats qui t'intéressent. Comment avec le taux de conversion, là, c'est calculé automatiquement? Le taux de conversion. Quand tu installes le suivi de conversion, c'est calculé automatiquement. Il faut installer avec le soit le pixel ou le bout de code avec le site. Le bout de code, tu as Google. Tu as Google, tu as le site. C'est la même logique que le pixel Facebook. Donc là, on a créé une campagne, on a choisi un rayon. Là, par exemple, je voulais vous montrer qu'on peut choisir plusieurs rayons. Là, donc, on souhaite cibler le budget journalier d'Anna avec le mode de diffusion standard à ce point de temps. On choisit notre stratégie d'enchère. Par exemple, qui va prendre un placement. Il y avait une question par rapport à ça. On peut cibler un emplacement sur la page de recherche et dire je souhaite diffuser mes annonces au haut de la première page de recherche naturelle ou là n'importe où sur la première. En haut ou là en bas. Voilà. Taux de surclassement cible. Là, on met le domaine qu'on veut surclasser. Le pourcentage de surclassement. Donc, je mets à 100% pour dire je veux être tout le temps mieux classé que mon concurrent et là, le nom de domaine du concurrent et une limite d'enchère maximale. Là, par exemple, je vais être mieux classé que ce concurrent, mais ne dépasse pas $1 de flic. Pour le CPA, si on définit Shad, on est prêt à acheter la vente globalement, le maximum. Donc, par exemple, si une banque leur rapporte 40 euros de bénéfices, peut-être le lana, bon, j'aimerais acheter la vente à 20 euros. Donc, comme ça, il me reste 20 euros de bénéfices. Alors, si lana, on met un pourcentage, le retour sur investissement. Donc, si je mets 300%, il va essayer de s'adapter pour, à chaque fois qu'il dépense 1 euro, il va me générer 3 euros de chiffre d'affaires. Bien sûr, il y a des stratégies, gain, classique, comme le suivi de conversion. Ça et ça. Même si c'est aussi. On met la date de début, la date de fin. On sélectionne notre audience s'il y a lieu de le faire. Des extensions d'annonce. Et. Un produit marrant, tu ne peux pas utiliser cette stratégie.
stratégie. Là, tu perds au moins 15. Tu as 15 conversions par mois.